Salut les gens! Aujourd'hui une vidéo assez particulière. Vous connaissez sûrement les vidéos What's in my bag ou les trucs comme ça. Et bien au lieu de faire un What's in my bag, on va faire un What's in my car. Je vais vous montrer absolument tout ce que j'emmène avec moi en voiture. Au moins vous connaîtrez tous les équipements que j'emmène, toutes mes affaires, toutes ces choses là. Et peut-être que ça vous donnera des idées de choses justement à emmener avec vous en voyage. Enfin bref, je vais pas faire une introduction beaucoup trop longue. On va commencer tout de suite. Ah, évidemment, la première chose que j'emmène toujours avec moi, c'est mon matelas. Et un matelas, ça va toujours avec un oreiller. Bon, on va directement regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous de ma structure en bois. Structure en bois que je vous ai déjà montré d'ailleurs en vidéo. Du coup, premier objet, s'il veut bien venir, mon ordinateur portable. Un sac de fringues. Malheureusement, c'est pas le seul sac de fringues que j'ai, mais on va en parler dès lors que j'aurai trouvé le deuxième sac. Mon vanity avec toutes mes affaires pour me laver. Alors ça, il faut que je le détache. Parce que oui, il est évidemment très bien attaché, vu ce que c'est. Ah, si j'arrive à le sortir convenablement, il est évidemment un peu lourd. C'est évidemment un bidon de 20 litres d'eau. Indispensable pour prendre une douche, tout ça. Oh, je vais le reposer parce que je crois que je vais décéder sinon. Mais oui, je vous l'avais déjà montré en vidéo. Ce bidon-là me sert uniquement à me laver. 20 litres d'eau, ça me suffit amplement pour prendre une douche. Ah bah, celui que je cherchais juste avant, c'est tellement bien mis que j'arrive même pas à l'enlever. Et là, on est sur le deuxième sac de fringues. Alors moi, j'ai un défaut, je vous l'avoue. Là, je vais m'asseoir d'ailleurs. Ah, c'est pas très confortable, pas du tout même. Gros défaut que j'ai, c'est que j'ai deux sacs de fringues qui prennent énormément de place. Alors, il n'y a pas que des vêtements à l'intérieur, il y a aussi un nécessaire de toilette, tout ce qui est serviette de bain, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément de vêtements. Là, tout ce que vous voyez, c'est absolument l'ensemble de mes vêtements. Il y a tout mon dressing est absolument là. Alors, ça fait un peu trop. Je vous conseille pas d'avoir deux sacs de vêtements, ça fait vraiment beaucoup. Un seul gros sac comme ça, ça suffit normalement pour votre voyage. Mais là, avec les deux sacs, je peux très bien faire une saison d'été et une saison d'hiver. J'ai des vêtements chauds pour l'hiver et des vêtements un peu plus légers pour l'été. C'est pour ça que ce gros sac là, il est pas facile d'accès parce que c'est les vêtements d'hiver. Mais je les ai toujours sous la main au cas où il se met à faire super froid ou il pleut ou un truc comme ça. Je l'ai toujours à disposition. C'est pas forcément hyper nécessaire. Il suffirait juste d'avoir un gros pull au cas où ou un manteau et ça suffirait amplement. Mais je sais pas, j'arrive pas à me séparer de mes vêtements, donc bah j'ai deux sacs de fringues et c'est pas top. Autre chose que j'ai qui n'est vraiment pas indispensable, c'est des haltères. Je vais les poser là-dessus. Alors oui, j'ai emmené mes haltères. Bah ça se voit en même temps, je veux dire. Ouais, non, pas vraiment en fait. Mais enfin bref, oui, j'ai mes haltères avec moi. J'adore les avoir avec moi. Faire un petit peu de sport de temps en temps. Quand j'ai le temps, j'aime bien les avoir à disposition. Ça, c'est un petit peu mon péché mignon et c'est clairement pas utile. Hein. Ça va sans dire. Alors qu'est-ce que j'ai là? Bon, ça, c'est pas très utile. C'est juste des stickers. D'ailleurs, je pourrais les jeter parce que j'en ai plus besoin. C'est des stickers que si vous me suivez en stream, vous savez. Mais en tout début de stream, je vous mets toujours des lunettes de soleil avec écrit dessus stream soon. Bah, ce sont les stickers que je colle sur mes lunettes qui sont là. J'en ai plus besoin, mais je sais pas du tout ce que ça fout là. Et la prochaine poubelle que je croise, et ben ça partira. Autre chose que j'ai, que je vous ai déjà présenté, c'est mon starter de batterie. Au cas où j'ai un problème de batterie, je l'ai évidemment toujours sur moi. Ça va se péter la gueule. Autre chose dont j'ai déjà parlé, évidemment, j'ai des câbles de démarrage en cas de pépin. Alors ça, je vous l'ai jamais montré, mais c'est tout simplement quand je suis en mode douche, c'est pour le mettre au sol. D'ailleurs, on va le mettre au sol. Je sais même pas si c'est dans le champ, eh ben non. Ça me permet juste de me doucher sans avoir les pieds au sol. Bien souvent c'est de la terre, donc c'est un truc chance salissant dès lors qu'on met de l'eau. Ça devient de la boue, donc bah j'ai mis ça pour mettre en dessous de mes pieds quand je prends ma douche. C'est tout con, hein. C'est un truc qui coûte quelques euros et c'est vraiment bien pratique. Je retrouve des antiquités, une carte de France avec c'est mon ancien voyage en Tour de France que j'avais fait. J'avais mis tout mon itinéraire sur cette carte, elle est déglinguée. Mais ouais, une carte de France c'est assez utile, enfin une carte de là où vous êtes, c'est assez utile parce que quand le GPS il marche pas ou que votre smartphone est déchargé, vous êtes bien content d'avoir une carte. J'ai des chaussures aussi pour aller courir. C'est pas les mêmes que celles que j'ai, c'est pas des baskets, c'est vraiment des chaussures pour aller courir. J'aime bien aller courir en fait, quand je suis comme là en pleine nature, bah je pose ma voiture et je m'en vais courir une bonne heure. Donc bah j'ai toujours mes baskets. J'en parlais tout à l'heure, ce sont les lunettes de soleil que j'ai de différentes couleurs. Et ça, ce sont les mêmes avec les stickers Stream Soon qui me sert quand je suis en stream pour le démarrage du stream. Et ça prend de la place ces choses là. T'as encore des choses ici ou pas? Ah oui, alors ici j'ai quelque chose que tout le monde a évidemment. Alors là, j'ai un ensemble de choses que j'ai sur le côté de ma voiture qui est prêt à prendre en main. C'est des choses que vous avez vous aussi. Ceci, c'est un gilet jaune, une pompe anti-crevaison. Ça, c'est vraiment très important. Quelques ampoules de rechange, un triangle de signalisation et une clé évidemment pour changer ma roue. Alors, autre ensemble de choses que j'ai aussi, un sac de couchage, je vous l'avais déjà montré, et un gros sac de bouffe avec que des boîtes de conserve à l'intérieur. Et encore deux choses, dont une que je vous ai déjà montré, qui était ma boîte à pharmacie. Évidemment, toujours à portée de main et toujours avoir une boîte à pharmacie sur soi. Et l'autre chose, bah, c'est un ensemble de câbles, de prises pour recharger, tout ça. C'est un petit peu la câblerie, ce truc-là. Je vous ai emmené deux nouvelles choses. Une chose que je peux pas vous montrer, mais qui est tout simplement le trépied. Ça, c'est la pochette du trépied. Évidemment, ça prend assez de place, mine de rien. Et l'autre chose, je vous l'avais déjà montré, mais évidemment, une rallonge
pour pouvoir vous brancher n'importe où et amener l'électricité à votre voiture. Hop, tu vas rester là et toi dans le tas. Pareil, il y a un autre ensemble de choses, mais un seau. C'est important d'avoir un seau. À l'intérieur, j'ai aussi des bouteilles d'eau qui me servent à me laver les mains, choses comme ça. Des bouteilles à boire sucrées pour ne pas manquer de sucre, justement. Mais grosso modo, c'est le seau qui est assez important. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Autre chose évidente, une petite poubelle toujours à portée de main et un bon livre au moment où vous vous ennuyez ou avant de vous coucher. Et ça, c'est mon carnet de notes pour les vidéos. Je note les trucs que je dois faire pendant le montage, des trucs comme ça. Voilà, j'ai un petit cahier un petit peu pour tout noter. Autre chose de très important pour tout vanlifer, je vous l'ai déjà montré, mais ce sont les volets. Et ça prend immensément de place. J'ai tout ça de volets. Je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité que ça représente, mais ouais, j'ai beaucoup de fenêtres à cacher et c'est chiant, ça prend pas mal de place mine de rien, mais il faut trouver la place pour ça et ça fait partie des choses que j'embarque évidemment. Alors là, on va vraiment attaquer le gros. J'ai une panière où j'ai plein de choses qui sont juste très importantes pour moi. Une panière avec, c'est un petit peu le bon fourre-tout, je vous avouerai, mais c'est vraiment très important d'avoir tout ça à portée de main. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. On va baisser ça, vous verrez mieux. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du gaffeur, du sopalin, des tupperwares, une lampe à pied, un entonnoir, ouais, différentes piles, différentes accroches, tout ça. Là-dedans, c'est mon kit de douche, une multiprise allume-cigare. Ça, c'est tout mon nécessaire de vidéo, des trépieds, des trucs comme ça que je vous ai déjà montré en vidéo. La fameuse prise camping-car qui fait aussi prise électrique et l'autre bout, des tendeurs, ma balayette, un micro, une lampe frontale, du liquide vaisselle. Et oui, un vanlifer fait aussi la vaisselle. Du coup, forcément, les éponges, mon bout de tuyau, des fourchettes en plastique, une bouteille de gaz et mon réchaud, une casserole, des sacs poubelles, des livres de voyage qui n'ont rien à faire ici parce que, ah si, j'ai les Pays-Bas qu'un jour on fera vraiment les Pays-Bas, une touilleuse. Je sais pas comment appeler ça, mais une touilleuse. Un briquet, un petit trépied qu'on m'a offert, qui est assez pratique pour filmer quand je suis dans la voiture. Et puis c'est tout. Ça veut dire, je vais en profiter pour le nettoyer mon truc parce que il est crade. Bah voilà, c'est nettoyé. Oh putain, quand je vais devoir ranger tout ça, ça va être la galère. De la corde et un disque bleu parce que bah quand on est garé dans une zone bleue, c'est obligatoire. Hop, ça là-dedans, ça là-bas. Et maintenant, c'est de l'autre côté. Bon, ça c'est tout bête, hein, c'est un cric. Il est juste énorme le cric. Il va falloir que j'en trouve un plus petit parce qu'il prend vraiment pas mal de place. Mon fameux kit pour recharger ma batterie auxiliaire quand je peux me recharger à une prise électrique. Je vous en avais déjà parlé en vidéo. C'est un petit bijou, quoi, tout simplement. Allez voir la vidéo sur les indispensables, c'est là-dedans que je l'ai cité. Et vous aurez la référence aussi du produit. Et je crois qu'on arrive au dernier objet. J'en avais aussi déjà parlé, mais c'est un kit pour regonfler mes pneus. Et je crois qu'on a fait le tour là, je suis en train de regarder, mais on a absolument tout vidé. Du coup, je pars avec la caméra sur pied pour vous montrer ceci. Évidemment que je peux pas vous montrer, il me servait de contrepoids. Mais c'est mon sac à dos où est-ce que j'ai absolument tout mon matériel vidéo à l'intérieur. Donc tout petit sac à dos, tout simple, des colliers. C'est pas un grand truc de pour se promener, mais c'est plutôt pas mal. Et évidemment, vous le voyez derrière moi, mais c'est mon trépied qui me sert à poser ma caméra quand je filme des vidéos de van life ou des trucs comme ça. Petit trépied d'Amazon Basic, coûte pas très cher. Il a l'air un petit peu pas très solide, mais dès lors que vous mettez du poids là ici, j'essaie de vous filmer. Je serais jamais Miss Météo, c'est sûr. Là, ici, il y a un petit crochet, vous pouvez mettre du poids et du coup, c'est hyper stable. Enfin bref, je crois que vous avez absolument vu tout ce que j'emmène. Et mine de rien, j'emmène pas mal de choses. Hein. Là, je suis en train de réaliser, mais ouais, j'emmène vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il va falloir que je limite tout ça, moi. Et du coup, là, vous voyez absolument l'intérieur de mon véhicule une fois vide. Évidemment, il y a des trucs que j'ai pas pu décharger. Genre ici, vous voyez à peine parce que c'est pas la bonne caméra, mais ici, il y a ma batterie auxiliaire, quelques tendeurs et puis, je crois que c'est tout en fait. J'ai eu chaud là à décharger tout ça. Et par contre, je suis dégoûté, mais j'ai tout déchargé, mais tout ça là. Va falloir le recharger après. Je suis dégoûté. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça, vous avez pu voir absolument tout ce qu'il y a dans ma voiture, tout ce que j'emmène, tout ce que j'emmène en trop. Ça me permet aussi un petit peu de me corriger et de remarquer que j'emmène vraiment beaucoup trop de choses dans ma voiture des fois. Notamment les sacs de fringues, je crois que j'en ai vraiment beaucoup trop. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et ou un petit commentaire. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous en avez envie. Allez, ciao!